Le maître Dina Sampil, on vient de sortir de l'audience, le procès qui oppose Élie Kamano et votre client, Khalifou Camara, supervé. Vous vous êtes plaidé coupable, pour, en tout cas contre l'accusé, et vous avez demandé au paiement de 500 millions comme amende, dommages et intérêts. Oui, à mon effectif, nous sortons de l'audience. Dans le téléphone de la ministère contre Élie Kamano. Nous avons assuré des débats qui se sont déroulés dans les meilleures conditions liées à la liberté du prévenu qui s'est exprimé avec tous les moyens qu'il a à sa disposition. Nous avons plaidé évidemment la réparation. Nous sommes ministère public, nous sommes offensés, nous avons demandé la réparation du préjudice d'offense que nous avons reçu. Le procureur a requis la condamnation et le prévenu par son avocat a demandé son acquittement. Voilà trois choses. Pas forcément complémentaire, mais plutôt contradictoire, que le juge aura la charge de rapprocher, de synthétiser et afin de trouver la décision qui lui paraît la mieux adaptée. Et quand ce sera le 7 juillet, l'audience à laquelle le dossier a été remonté. Est-ce que vous êtes satisfait du oui, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que aucun droit de quelqu'un n'a été violé. Il n'a pas empêché le prévenu de s'exprimer librement. Il l'avait vu, il était à l'aise, on lui a accordé tous les critères. Sinon, un prévenu ne voit pas, mais là-bas, dans une salle d'audience, on ne consomme pas, on ne mange pas. Mais on l'a laissé voir tout ce qu'il a demandé comme nécessaire pour qu'il dise effectivement ce qu'il a donné à lui raconter. Donc je suis satisfait du déroulement des débats. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à une suite à votre requête? Je ne suis pas dans le secret du juge. C'est un problème de conscience. Il va certainement prendre une décision qui sera la plus générale possible, c'est-à-dire qu'il aura la même position par rapport aux uns et aux autres. Merci. Allez.